Non mais je vous jure quoi. Mais pourquoi ces questions? Non mais enfin je comprends pas. Ah, t'es là? Ah, mais en fait j'ai un pote à moi qui m'a posé une question complètement tordue et franchement depuis tout à l'heure je me prends la tête. Bah en fait voilà, c'est facile. Pourquoi est-ce que l'on prononce FBI FBI, c'est-à-dire à l'anglaise, on dit pas FBI, on dit FBI. Et pourquoi la CIA, alors que ça vient, les deux sigles viennent des États-Unis, on dit la CIA? On dit ça en français? Bah, je sais pas, moi, au bout d'un moment, tu vas pas dire. Tu dis Federal Bureau of Investigation. Enfin, c'est américain, c'est normal. Mais tu vas pas prononcer Central Intelligence Agency. Ah, oh là, super, on n'est pas couché. Oh là 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 là. Salut tout le monde, c'est Wolfegon, je suis très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver pour le début d'un nouvel épisode de Minecraft Dimensions. Et aujourd'hui, on est dans la vallée des dragons, un peu comme d'habitude, hein, dirais-je, sauf que les gens restent encore là. Pour l'instant, sont encore là, pardon, et moi, en fait, pendant ma petite chasse au trésor, donc je suis tombé sur de nouvelles jarres que l'on va casser. Hop, 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 et hop. Mais surtout, je suis tombé sur de la Secret Stone. Et alors, ce n'est pas la Secret Stone que vous m'aviez indiquée dans les commentaires. Mais il s'agit quand même ici. Donc ça, c'est de la stone classique. Ça, c'est de la Secret Stone. Donc on va creuser un petit peu. Histoire d'augmenter nos chances de trouvailles. De faire une bonne trouvaille plutôt. Alors, c'est parti. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bugs en termes de FPS. C'est parti. On s'écarte. J'espère que ça va donner. Yes. Ouais, ça n'a pas donné grand-chose, hein, si vous voulez mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va laisser ça là. Espérons que ça fonctionne. Ça a fonctionné. Yes, cool. Ah, malheureusement. Bon, bah alors déjà, j'ai bouffé les deux bombes que j'avais, donc ça, c'est pas cool. Mais en plus, on tombe sur un coffre loqué, et je ne peux donc pas l'ouvrir de base, hein, c'est classique. Mais je suis un peu embêté, du coup. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave, c'était pas vraiment notre objectif du jour, puisque l'objectif du jour, en fait, ça va être de récupérer un petit peu de bois. Et de se faire quelques bouquins pour que Miss Creepette puisse, avec sa bonté légendaire, nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le temple que nous avons découvert dans l'épisode précédent. Alors, bien sûr, un vrai épisode de Minecraft Dimensions sans ses stars, ce n'est pas un vrai épisode. Voici la Cri qui doit revenir parmi les vivants de sa sieste. Bon, voilà, elle nous a oubliés, je crois, mais je sais pas. Elle fume des choses pendant que je suis pas là, je sais pas, moi, je... Enfin, bref. Ouais, je vous jure, je suis entouré, mais enfin, faut le vivre. Faut être moi, en fait. Enfin, c'est juste pas possible. Comment ça va, mes dragons? Oui, je vois ça observe, il y a plein de choses. J'avais rien laissé là-dedans. Il y a énormément de choses ici. Non, mais je le sais, mais ne t'inquiète pas, je ne parle pas derrière ton dos. Comment ça va, mon cher Flame? Oui. Je l'écoute, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à faire, mais c'est parce que toi, tu ne m'écoutes pas. Moi, je t'écoute, mais toi, tu m'écoutes pas, c'est ça le problème. Alors,
J'ai, pour ce début d'épisode, préparé quelques petites choses. J'ai commencé à faire cuire le copper, déjà, mais aussi la viande, parce que ça, c'est important d'avoir de la viande. Je vais ranger un petit peu mes affaires, parce que mine de rien, c'est quand même un sacré boxon dans mon inventaire. Je vais quand même garder les planches, ça, c'est super important, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de faire... Hop. Nos bibliothèques. On va se mettre bien, on va s'en mettre... Allez, on va partir sur 4. 1, 2, 3, 4. Je peux même en faire 5. Ok, j'en ai 7. C'est pas mal. Je peux même en faire une huitième, dis donc, c'est la joie. Hop, et de 8. Ok, nickel. Hop, comme ça, on est bien, on est refait. Cri, je vais te laisser les bibliothèques. Comme ça, tu vas pouvoir m'en apprendre davantage sur ce temple. 1, 2, 3. Pousse un petit peu, s'il te plaît. 4. Là, je vais mettre notre table d'enchantement que nous avons eue dans... le bateau pirate, et là... 1, 2, 3, 4... Alors pour l'instant, je peux pas vraiment faire de super maison la mort qui tue, parce que j'ai pas encore collecté les ressources. Par contre, toi, tu as tout le savoir disponible, nécessaire. Donc, tu vas pouvoir me donner davantage d'infos. Ah non, tu as décidé donc de dormir. Voilà, voilà. Ah non, mais ça c'est les creepers, hein, c'est comme ça. Bon, avant qu'elle ne se réveille et qu'elle me foute une torgnole, je m'en vais. Moi, je vais aller dormir. Parce que c'est ça qui est bon. Et hop, c'est parti. Donc normalement, si tout se passe bien, Cri, normalement, est-ce que la magie des bibliothèques a fonctionné sur toi? Oui, non mais là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et jusque-là, ça fait sens, effectivement. C'était un temple que nous avions trouvé dans la forêt. Donc, si c'est un temple de la forêt, normalement, tout est logique. Mais non, mais... D'accord, ok, c'est une bonne chose. Mais donc là, pour le... Non, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. On est... Ah, non, là, on est dans les collines vertes. Green Hill. Eh, instant Sonic. Donc là, nous sommes dans les collines de la Vallée des Dragons. Ça, bon, logique. En même temps, nous sommes sur une colline. Par contre, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, mais oui. Oh là là, quel idiot. Mais je n'ai plus de bombes. C'est ça le problème. Il faut partir à la chasse aux creepers. Dans ce cas-là, tu peux rester, effectivement, si tu le souhaites. Je vais partir avec Ender. Ender, on va s'en aller, on va partir dans la forêt, si ça ne te dérange pas. On va partir pour aller découvrir une autre salle secrète et on va aller tuer du creeper. On va aussi explorer un petit peu. Non, vous savez quoi? On va partir en explo. C'est parti, envole-toi un petit peu. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, déjà, bou caca, c'est pas bien. Je vais vous montrer un petit peu le temple. Puis toi aussi, Ender, tu vas pouvoir voir le temple que nous avions découvert dans... avec Flame. Alors ça se charge, évidemment. Donc ça devrait... voilà, c'est juste là. Donc c'est vraiment pas loin. C'est le temple que nous avions découvert. On va d'ailleurs même pouvoir... Je vais te faire te poser. Oh, il y a un tigre. Bon, c'est pas vraiment gênant, mais j'ai pas envie de tuer un tigre. Je suis dans mon humeur... dans mon humeur gros chat, donc j'ai pas envie de le tuer. Mais là, alors est-ce qu'on peut faire un zoom? Non! Ah, oh, purée, j'ai eu peur. Ah, vous savez quoi? En plus, là, il y a plein de jarres par ici. Oh, il y a une structure. Attends, pose-toi par ici. On va se tourner un petit peu. Pose-toi sur un arbre, ce sera plutôt pas mal. Oui, mais tu sais très bien que j'ai du mal à... Ah! J'ai du mal, moi, à prendre mes décisions. Ça va être un peu compliqué, par contre, de te poser ici. J'espère que je vais pouvoir sauter. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Allons-y, on est des aventuriers, on est des warriors, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va pouvoir sauter. On a une petite... d'accord, pourquoi pas, c'est un délire. On a une petite structure. Avec un peu de chance, je vais pouvoir trouver des bombes ici. Alors, le but du jeu, ça va être tout simplement de trouver une clé...
Est-ce que j'ai... Non, j'ai quasiment rien. Ça m'arrange pas beaucoup en fait cette histoire. Ok. Oh ! Un creeper araignée. Ah ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vous êtes sérieux les gens ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un looter ! Ah ! C'est toi en fait ! Coucou ! Bonjour ! Oh la classe ! D'accord, et en fait il m'avait... Donc c'était un looter qui m'a donc apparemment bien endommagé déjà. Donc c'est le poison qui m'a endommagé la vie, hélas. Et en fait il faisait le même bruit. Oh purée. Enfin bref, vous m'avez compris quoi, je suis un peu sous le choc. En fait les looters volent les épées des autres. Donc je me suis un peu fait carotter. Mine de rien j'ai quand même de la ficelle gratuite, donc ça c'est cool. Par contre, je n'ai toujours pas de bombe, malgré tout ce que j'ai détruit. Qu'est-ce que j'ai cassé ? Rien du tout, ça m'arrange pas, j'ai pas de bombe. C'est un peu la loose, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a... Oh là, regardez-moi ça. Non mais le creeper araignée qui a explosé, il a foutu un boxon de malade. On va récupérer le fer, c'est toujours ça de prix. Toujours un moyen de se faire une belle petite armure par la suite. J'observe un petit peu, j'essaie de détecter. On a de la torche par ici. J'essaie de détecter aussi les Secret Stone. Je suis vraiment désolé, je bug un petit peu par moment. On a de la. Ça doit être dans la météorite qui fait ce. Cet effet-là. Hop, on va descendre, on va faire attention. J'espère qu'on va pas se retrouver face à des grosses bébêtes. Je vais manger un petit peu histoire de regagner de la vie. Ma coquille sword, elle commence vraiment à prendre cher. Oh, eh, hey, de l'endomium. Magnifique. Par contre, j'ai perdu mon guide, donc je ne sais pas du tout si l'endomium peut être miné. J'ai l'impression que ça va pas. Est-ce qu'on en a plusieurs ou on en a qu'un seul? Ouais, on en a qu'un seul. Ah non, on en a deux. Mais j'ai peur que l'endomium ne puisse pas être... ne puisse pas être miné... avec... du copper. Donc pour l'instant, on va se contenter de récupérer tout le fer que l'on retrouve. Il va falloir surtout que je retrouve ma liste. Je ne peux pas prendre de risques. Oula. Hey, la classe! On a trouvé une petite... En fait, on n'a rien trouvé de secret du tout. Ok. Bon, le copper, j'en ai suffisamment pour m'en passer, je pense. Pour me permettre de m'en passer, du moins. Ok. Il y a beaucoup de choses. Ça doit être du creeper psychique par ici, du creeper classique de l'autre côté. On va casser ça. J'adorerais pouvoir tomber sur une bombe, ce serait génial. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, je saute juste là. J'avais trouvé d'autres petites jarres, si je ne m'abuse. C'était par là, on avait même trouvé un tigre. J'ai récupéré mon épée, donc on va pouvoir lui faire sa fête s'il est encore là. Oui, il est là, le tigre. Coucou le tigre! Ah, tu vas m'attaquer ou pas? Je préfère t'attaquer en premier parce que... Si jamais tu m'attaques par surprise. Alors, voici donc la porte de ce temple. À l'intérieur, bah, y a une stèle. C'est un délire. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc pour le moment, je suis un peu en malaise parce que je ne peux pas du tout y accéder. Donc là, on va devoir se faire... Je vérifie juste un petit peu le timer. Normalement, on devrait être bon, mais on a rien d'autre pour l'instant. Donc, je vais rentrer. Hop. Voilà. Super. Eh, trop balèze pour remonter.
par ici. On va retourner. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que... Juste là, descends. Redescends, s'il te plaît. Vous m'aviez aussi dit que j'avais loupé quelque chose par ici. Donc, certes. Ah ! Ah, oh, mais c'est pas possible ! Ah ! Merci, Ender. Hey ! C'est quoi, ça ? Broken cookie sword. Je peux m'en servir ou... Hey, classe ! Je peux m'en servir comme deuxième arme ? Non, pas comme ça. Je peux pas m'en servir comme deuxième arme pour l'instant. Bon, c'est tant pis. J'ai récupéré un œuf de dragon Komodo. Ça, c'est cool. Ah, j'en ai même deux. Grande classe, grand cœur. Et juste là, au-dessus de ma tête, vous m'aviez dit que j'avais loupé de la météorite. Donc, merci beaucoup. C'est chose corrigée. Parfait. Alors, le problème, c'est que là, j'ai vraiment peur de vous proposer quelque chose de pas super méga intéressant au final, parce que là, on va vraiment avoir besoin de nouvelles bombes. Donc, il va falloir partir à la chasse. Oula. On part à la chasse aux bombes. Donc, c'est par ici, de l'autre côté, mon cher. Vas-y, je t'en prie. Bon, il va falloir que je mange un petit peu aussi, quand même. Il va falloir que j'y songe. Donc, on va redescendre. On va passer par la case pain aussi. Juste là, merci beaucoup. Puis on va partir en explo, hein, j'ai envie de vous dire. On va continuer d'explorer la vallée des dragons. On n'a jamais fini d'explorer, de toute façon, c'est ça qui est vachement bien avec cet endroit. Cool, super. En fait, on s'est arrêté pour rien. Bah écoute, ce sera déjà ça de prix. Ok. Bon, on n'a pas d'autre chose pour l'instant, donc on va retourner se coucher. Quoique, on pourrait aussi faire leur fête à certains creepers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, mais après une nuit de sommeil, je pense. Parce que là, c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour y aller, parce qu'on risque de se heurter à beaucoup de créatures différentes. Quoique, attends, vas-y, on s'envole de nouveau. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu, grâce à toi, à d'autres dragons, voir ce qui se cache ici. Là, on a quand même... On a quand même une petite maison. Oh, regardez-moi ça. Alors, attendez. On va se mettre là. On va se mettre bien. On va se poser. On va se mettre en mode espion. Alors. Oui. S'il te plaît. Voilà. Merci. Ah. Ok. On va les espionner. On va voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là, pour le coup, on a quand même deux gardes avec une maison. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette maison. Quoi ? Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il m'avait vu de loin. D'accord, ça m'a l'air d'être des... D'accord, ok, donc en fait ce sont des Ender Golems. Ok, bon, bah écoute. C'est un délire, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal de points de vie. Ce sont des grosses brutes assez épaisses. Donc on va éviter de les chauffer pour l'instant. Ender, pose-toi. Il y a un creep juste là. Super, il y a deux creepers. C'est la folie. Tu sais quoi, tu vas te poser. Tu vas te poser plus loin, du coup, en fait. Où est-ce qu'ils sont? Non. Si vous pouviez vous faire croquer, ce serait pas mal. Non. Voilà. Non, évite d'exploser, s'il te plaît. Wouh! Qu'est-ce qui s'est passé, là, juste? Ouais, je crois que je vais y aller. Ah! Je bug. Super, il y a des monstres. Oh, mais non, quoi. Mais non. Ah, bon, bah écoutez, au moins j'ai récupéré déjà de l'expérience. Ça, c'est une très bonne chose. Et je crois que on va finir cet épisode non seulement sur une lose. D'accord, il y a un zonzon. Ender, tu peux le croquer, s'il te plaît? Non, tu veux pas. Merci beaucoup pour ton soutien et l'ensemble de ta carrière, mon dragon. Je peux dormir? Mais non, mais vous pouvez me laisser tranquille, s'il vous plaît? Que faites-vous dans ma chambre? Merci, Cri. Fait plaisir. Oh, ouf, enfin, je peux me reposer. Je vous jure, c'est vraiment pas facile, hein. Je fais vraiment tout ça pour vous, les amis, parce que rendez-vous compte quand même
de la galère dans laquelle nous sommes. Elle va mourir. Il y a quand même du creeper, ça c'est l'avantage, c'est que je vais peut-être pouvoir choper de la bombe. Oh purée! Ok. Bon, lui il a failli exploser, heureusement. Je l'ai entendu avant. Encore. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Alors je suis désolé, parfois je me recule de mon micro. Ok, je l'ai explosé, pas de creeper fantôme, c'est une très bonne chose. Ah, c'est un creeper de vent. C'est pour ça qu'il se déplace aussi vite. D'accord, ok, je comprends mieux. Ouh. Il pourrait pas me dropper une bombe, quoi. C'est... Non, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on a là? Eh, un creeper gâteau. J'ai envie de le faire exploser juste pour le lol. Vas-y, explose. Vas-y, explose, explose, explose. Fais-toi plaisir. Ok. Super, il m'a donné deux torches. J'ai cru qu'il allait exploser et me donner des gâteaux, mais apparemment j'ai mal étudié les creepers élémentaires, je crois. On a un creeper de glace. Il va encore nous donner plein de neige. S'il pouvait me dropper une bombe, ça m'arrangerait. J'ai encore gagné de l'XP, c'est cool. J'ai augmenté mes aptitudes, mais le problème c'est que, pareil, j'ai un peu zappé toutes ces aptitudes. Je gagne en célérité, je gagne en puissance d'attaque. Si je pouvais... juste savoir où j'en suis à ce niveau-là, ce serait pas mal. Donc, pour le coup, je suis un petit peu paumé. Bon, bah écoutez, les amis, tant pis. Les creepers, la chasse aux creepers, bah c'est objectif accompli, hein, puisque j'ai quand même. J'ai bataillé, hein, durement mais fièrement contre quelques creepers, mais hélas, ils ne m'ont rien donné. Je pars sans creepette, parce que pour le coup, voilà, j'assassine quand même sauvagement. Les siens, bon en même temps, c'est pas vraiment les siens, genre les siens quoi, hein, c'est... ok, donc là il y a du squelette. Donc juste pour vous montrer, voilà, hein, j'ai bel et bien lu vos commentaires. Donc il y a bel et bien une salle secrète juste là, mais le problème c'est que je n'ai pas de bombe. Donc pour l'instant, sans bombe, je ne peux pas faire grand chose à part explorer. Donc les amis... on se retrouve dans un prochain épisode avec peut-être un stack de bombes que je me serais fait. Oula. Bonjour. Ah. Ah purée. D'accord, une araignée citrouille, c'est la grande classe. Je vais mourir. Je crois que je vais décéder. C'est quoi ces araignées citrouilles? Dégage. Purée. Voilà, super. Elle a 50 points de vie. Et j'ai plus rien, moi. Purée. Ah. Ok, vous savez quoi? Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais essayer de l'affronter. Je vais essayer de la tuer, cette araignée-là. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un bon petit défi. Par contre, j'ai très peu de points de vie. Mais elle morde, mais grave, quoi. Elle morde grave. Je peux pas essayer de la choper avec mon petit filet, là. Bon, en tout cas, le symbole de la veuve noire sur la citrouille, ça aurait dû me parler, je pense. Mais là, pour le coup, vas-y. Il lui reste plus que 18 points de vie en même temps. Ça devrait pouvoir être réalisable de la tuer. Yeah! Oh, qu'est-ce qu'elle nous a droppé? Qu'est-ce que c'était que ça? C'était des Terran Shards de Divine RPG. Ok. Ok, ok. Alors attendez, on va taper Terran. Ok, Terran Shards, Terran Lamp. On peut s'en faire donc des gemmes. Terran Shards. Je vais juste faire un clic. Les stones. Et on peut se faire donc... Wow. Oh la classe. On peut se faire une purée d'armure qui m'a l'air vachement sympa. Et on peut surtout se faire une épée qui peut... Oh là 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 là, mon dieu. Que l'on peut utiliser 1200 fois et qui inflige 15 points de dégâts à chaque fois qu'on l'utilise. Mais c'est un bonheur sans nom. Et en plus, on réduit les dégâts. Oh là là. Et ben vous savez quoi? Je pense qu'on va partir à la chasse... On va partir à la chasse aux araignées citrouilles.
ça peut être vachement sympa parce que déjà en plus si on doit affronter un boss dans un temple, on va pas avoir... Enfin, je sais pas trop ce qui nous attend, mais ça pourrait être quand même sympathique de se faire ça. Alors... Là, je sais pas trop où partir. D'accord, super. Je me vautre royalement. Nous avons d'autres petites jarres céramiques. Bon, au final, je crois que je n'arrêterai pas cet épisode. Parce que là, je m'amuse beaucoup trop, comme un petit fou. On va essayer de tuer une nouvelle Ender araignée. Enfin, une Ender araignée, n'importe quoi. Une araignée citrouille. Ça devrait pouvoir se trouver. J'ai l'impression qu'on a le bois des miracles, là. Si je pouvais aussi trouver une bombe, ça m'arrangerait. Ce serait plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien. Ah, il y a encore un creeper des neiges par ici. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas bien grave. Je crois que je me suis éloigné, en fait. On va... Oh là 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 là, j'ai des chutes de FPS, je suis vraiment désolé, j'ai pas le contrôle là-dessus. C'est vraiment juste la machine qui a du mal à démarrer parfois. Bon, écoutez, j'ai perdu la trace de l'araignée citrouille. Il y en avait deux. Donc là, ici, nous avons notre secret stone. Imbrisable. Bon, bah, c'est un délire. Et... ah, non, il y en a une là. Elle s'est déplacée. Mais attendez, c'est l'enfer cette histoire. Je vais partir très loin et ne plus jamais revenir. Ah, purée, c'est super chaud du sgeg, je vous le dis. Alors pardon, hein, j'utilise des expressions un peu limites. Faut pas que je meure, faut pas que je meure. Voilà. Au moins, si je la tape dans l'eau, il y a moyen pour que je puisse la frapper sans qu'elle ne me frappe en retour. Yes, la grande classe. Et j'ai de nouveau récupéré des shards. Et ici, j'ai même de l'adamite. C'est la grande classe. Est-ce que je peux récupérer de l'adamite ? Non, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir d'adamite avec ma pioche en cuivre. Bon, bah écoutez, ce sera passé quand même pas mal de petites choses. J'avais peur qu'on s'ennuie un petit peu parce que la quête des bombes, c'est pas le truc le plus intéressant qui soit. Ça, je veux bien l'admettre. On va retourner quand même aller voir les dragons et creepettes. Il y a du creeper juste là. On va se le taper. Voilà, fais-toi plaisir, petit creeper. Un petit câlin. Bah non, en fait. Bon, en plus, tu n'as même pas donné droppé de bombe. Je suis tristesse, je suis déception. Ah là là, je vous jure. Bon, bah écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros like. Les likes d'encouragement, ça fait plaisir. En plus, vous êtes pourri gâtés, hein, les gens, parce que vous avez un Minecraft Dimensions le mercredi et vous avez un Minecraft Dimensions le samedi, le mercredi à 18h, le samedi à 11h. Rien que pour vos beaux yeux, ça me fait quand même vachement plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Prenez bien soin de vous, les amis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans cette formidable Vallée des Dragons. Salut tout le monde et à samedi. Ciao. J'ai une croix sur le nez. C'est gênant.